لكن عنا يرحلوا عنا. احنا هيك مش عايشين في امان، احنا عايشين في حصار. احنا لو متنا احسن، هل لو متت ما شفتش الحياة اللي بتسكينا نتكتل. احنا بنشوف كل الهول والرباب بتلحق، بس على التلفزيون ما لقيش الا تشريح جنازات ولا قصف ولا دبابات. السلام عليكم، بونجور، بونسوار، حيت ما كنتم بيان انتوندو ازول. Chronique en français de Jamel B. Dissidéral. Titre d'aujourd'hui, encore trop tard. Le monde entier, directement ou indirectement, a été victime des guerres mondiales. Et malgré cela, la bêtise humaine demeure, et surtout prolifère. Pour faire récent, par exemple, j'ai du mal à m'expliquer aujourd'hui que certains caressent les rêves d'hier après avoir subi les pires sévices nazis, pas plus tard qu'hier. Toute concentration d'individus en des camps ou celle des communautés, afin qu'elles demeurent recluses, où les idées plurielles se résument en une pensée unique, émane d'une volonté de domination, donc dictatoriale, la volonté. Et ce, quels que soient les territoires, les races, les époques, les religions ou les contextes. Tout cela étant le résultat des exaltés du pouvoir suprême. Pouvoir dont il s'inivre pour que le monde garde sa gueule de bois. L'histoire se répète afin qu'elle réveille ce qui reste du peu d'humain en les peuples, pour qu'aucun d'eux ne soit plus spolié, humilié, déporté, massacré, pour de fallacieuses raisons d'être ce qu'il est, d'origine, de naissance, d'obédience, de prépuce, circoncis ou pas, de touffe rasée ou de tête voilée, de barbe fournie d'un basané ou d'un imberbe blandiné. Le devoir de mémoire doit être universel et non circonscrit. Le devoir de mémoire doit être universel et non circonscrit. L'histoire se répète, disais-je. Moi aussi je me répète. L'histoire se répète, disais-je. L'histoire n'en peut plus de ces rappels, car à défaut de l'écouter, viendra le jour où l'histoire finira par se venger, en remettant sans distinction aucune tout le monde dans la même case départ, départ d'une gare morbide, aux rails sur lesquels rouleront des trains à destination de l'enfer. Départ d'une race autoproclamée supérieure dans le but d'exterminer ceux et celles qui ne sont pas à rien inférieur compris. Départ des religions vers un désert où Dieu sera absent. Départ des peuples opprimés, spoliés de leurs terres, vers un terminus nommé indifférence. Sauf que cela sera trop tard. Trop tard pour éviter une nouvelle guerre mondiale. L'histoire m'a fait savoir qu'elle se répète dans les faits. Mais le pouvoir change de main à travers les temps. D'où la haine ancestrale qui engendre la violence. Pour assouvir une vengeance enfouie dans les gènes,
Le moment venu où le pouvoir sera entre les mains de ceux dont les aïeux en ont été victimes de ce pouvoir. Combien faudra-t-il encore de morts dans des camps, dans les communautés de la bêtise humaine ou dans les tombes des anonymes innocents qu'on surnommera plus tard hypocritement soldats inconnus de manière singulière pour éluder le pluriel des victimes innocentes? Combien faudra-t-il encore de morts pour que l'homme comprennent que quand il tue son semblable, il se tue lui-même et surtout sa mémoire. Et ça, l'histoire ne cesse de le rappeler. Jusqu'à quand? Salam alaikum, bonne journée, bonsoir, haytham akuntum, et bien entendu, tanmir. ولا قصف ولا